Ok, on est parti pour le troisième épisode, c'est Mr. Sponge toujours, et on est toujours sur Cradle, donc un jeu assez contemplatif, assez avec une histoire assez profonde, donc on ne sait pas qui on ne sait pas où on ne sait rien du tout de nous. On a réactivé un robot, je ne sais pas pourquoi on a réactivé un robot d'ailleurs, mais elle non plus ne sait pas où elle est, et donc là on est en route pour l'ancien parc d'attractions, donc là où il y a une explosion il me semble, qui a tué une grande majeure partie de la population. Et donc on va y aller pour essayer de trouver une machine à respirer pour donc la robot qui s'appelle je ne sais plus comment. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est une gare? Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est joli ici. Ok, ouais, c'est un parc d'attractions. Alors le background m'a l'air assez sale, comme dit, il y a un virus qui a transformé toute la population, enfin qui a stérilisé toute la population, ou au moins une partie. Du coup, pour pas être contaminé par un virus, ils ont décidé... Ok, d'accord. Ils ont décidé de se transférer dans des corps robotiques, sauf que du coup... on ne sait toujours pas s'il y a un remède ou pas. Alors, il va falloir que je passe donc derrière ce grillage. Je crois une coupure d'enregistrement là, je suis pas sûr. Ok, donc il faut qu'on rentre là-dedans. Comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Pour l'instant, je fais le tour. Hein. Trois brins, bien, pardon, à un moment où. Où ce sera cassé. Il y a des drôles de bruit quand même. J'ai pas confiance. C'est ça. Incité de rechercher plein de gens là. Ok. On tourne. Et bien une ouverture quelque part quand même. Je vais cacher l'objectif. Hop. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire quand même. Ça aurait été bien si on avait été capable genre de... Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a l'air complètement dégueulasse et complètement dangereux ce truc. Je sais pas exactement ce que c'est mais je pense que... La logique veut qu'on ne s'en approche pas, tout simplement. On va continuer de faire le tour, hein, gentiment. Sérieusement, y a pas d'endroit où rentrer là. Ce tour est vachement grand quoi. Je suis sûr que comme la dernière fois en fait je fais un bien trop grand tour en fait. Alors que la solution est juste tellement simple, cachée quelque part devant mon pif en fait. Si ça se trouve il fallait passer à gauche. Bon, maintenant on est parti, hein. J'ai envie de vous dire tant pis. J'ai envie de vous dire... Oh. Attendez. Attendez. Est-ce que je peux... Oh. Attendez. Hop. Hop là. Easy man. Tranquillou. Allez, ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, donc je suis passé là. Enovish, I remembered who those people were. The ones whose passing was regarded as more valuable. It was their genes that made them special. Their DNA had fewer errors. In other words, these were people with good heredity. Such people produce a special kind of passion, which contains a valuable component. It was this component that was needed to fight the virus and not the whole substance. Okay, that was why they commanded such respect.
Humanity's struggle against the virus hinged on them. Back then, everybody used to say that the emotions of beautiful people were our salvation. Ok, d'accord. Grosso modo, elle a dit comme quoi il y en avait qui produisaient plus d'émotions, qui avaient une bonne hérédité en fait. Faut que j'aille chercher et trouver le 7e pavillon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un robot, j'espère. Ah, je crois que c'est un robot. Et... sa maman. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, 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 t'as... C'est pas un jeu d'horreur, il y avait marqué que c'était pas un jeu d'horreur. Putain. Me dites pas que c'est un jeu d'horreur aussi. Ah non. Faut que je trouve le 7e pavillon. Des bruits vraiment bizarres, vraiment creepy quoi. Alors attendez, l'entrée elle était où? L'entrée était normalement là derrière moi. Ouais, elle était là. Donc à partir de là, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Autour de nous tout simplement. Je suis en train de regarder partout là s'il n'y a pas une indication. D'ailleurs c'est super beau. Hein. C'est vraiment super beau quoi. Ah, il y a un cube là. C'est le cube du tuto ça. Je peux pas le prendre. Ok, je ne peux pas le prendre. Pourquoi je ne peux pas le prendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça monte jusqu'à là-haut, attendez. Est-ce que... Oh! Oh, oh, oh! Ah, d'accord. Oh! Oh! Oh, c'est trop bien! Attendez. C'est trop bien, ce truc. C'est un... C'est comme dans Futurama, pour ceux qui regardent. D'ailleurs, il faut pas que je tombe dans les trous, je pense. C'est comme dans Futurama, pour ceux qui regardent, c'est un ascenseur à air, ou je ne sais pas exactement ce que c'est, en fait. Je sais pas du tout si c'est par là qu'il fallait que j'aille, si... Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il y a des bruits de plus en plus bizarres, ça devient un peu creepy, j'aime pas. Là il y a un toboggan, on le descendra après d'ailleurs ce toboggan. Non, ça ne se s'ouvre pas non plus. Là j'ai chopé une lampe de poche. Hein. Ok, je pense qu'il n'y a rien à faire par contre ici, du coup on prend le toboggan. Yahoo! Oh, il y a une animation. Oui, là c'est trop bien. Je pourrais le faire des heures et des heures. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit truc d'ailleurs? J'ai pas bien regardé avant. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ok. D'accord. D'où qui s'est allumé? D'accord. Ok. Putain, j'ai un peu tilté là en fait. Est-ce que je peux interagir avec un truc ici? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui là où il y a le carré. J'ai pas fait celui-là. Je vais essayer de monter parce que je pense que les pavillons sont en l'air en fait. Ça méga stylé quoi. Ok. Quoique j'ai un doute en fait, je crois que c'est celui-là que je viens de faire comme un con.
Hop, 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 ça va faire mal. Ok, d'accord. Donc, on peut mourir dans ce jeu. Ah non, en fait, on ne peut pas mourir, d'accord. Ok. On ne peut pas. Attendez, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette sorte de bulle un peu? Oh! Il y avait des bruits, c'est quoi ça? Mais c'est... What? Ok, d'accord, j'ai chopé un sabre laser, les gens. Ok. Pourquoi pas? Mais j'ai vraiment des frissons dans un jeu parce qu'il est... Il est beau, quoi. Il est très très beau. Enfin, il est pas non plus... C'est pas un truc de fou, quoi. Mais il a vraiment son charme que j'aime beaucoup, quoi. Est-ce que j'ai déjà fait... Si ça se trouve, j'ai déjà fait celui-là et je le refais pour la troisième fois. Il a vraiment son charme. Charme, pardon. Par contre, ouais, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je... Mais une deuxième fois. Je suis désolé. Je disais, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai chopé un sabre laser, en fait. Je comprends pas le délire. Est-ce qu'il va avoir des monstres contre lesquels se défendre? J'espère pas. Parce que... Moi, je me suis dit, c'est un petit jeu détente, tranquillou, tranquillou, quoi. Alors, est-ce que cette fois-ci... Je sais pas. Est-ce que, en tapant sur ça... C'est quoi, ce bordel? Je crois que c'est un truc de gosse, en fait, ça. Je crois que c'est vraiment un truc de gosse. Oui. C'est trop bien, ça. Ah bah, on voit bien que c'est un parc d'attractions pour les gosses, quoi. Moi j'aurais kiffé aller dans un parc d'attractions avec que des... Ça j'y étais déjà du coup. Avec que des toboggans partout. Ça aurait été... Trop bien. Ah. Plus d'électricité dans celui-là. Ok. Là j'aime pas trop celui-là là. M'inspire pas confiance le dragon là qui est au milieu. Ok. Je vais aller là. Hop. Non, il n'a plus d'électricité lui non plus. Je sais encore celui avec l'électricité. Si jamais c'est pas là, je ne saurais pas où est le. Où est le pavillon 7. Et en fait, il n'y a pas d'indication pour trouver le pavillon 7, quoi. C'est complètement au pif. Alors. Oh! You're at the location. Hold on, I'll try to open the doors. Ah. Là on est au bon endroit, tiens. Pourquoi je peux pas monter là? Bah voilà. Non, ça pue un peu du cul là, on dirait une cellule capitonnée pour les fous là en fait. Voilà, je suis baisé, fin du jeu. Merci de m'avoir suivi, c'était... Ah non, ok, c'est un ascenseur, ok. Non? Je comprends pas trop. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là par contre? Je t'ai fait un bad trip là? Ok. Alors c'est sacrément classe, putain. Ça me fait beaucoup penser à du Portal. Ok, Endless, les sables sans fin. Collectez 30 cubes bleus pour gagner un module de respiration. Ne pas tomber dans l'eau. Je comprends pas tout, toutes les instructions. Ok, bon. Ok, Alors attendez, donc il faut que je collecte. Il n'y a pas les règles, voilà. Collecter 30 cubes bleus. Comment est-ce que je collecte des cubes?
Je peux pas tomber là. Et je comprends pas tout. Hop là, on va tester. Donc il me faut. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, je comprends en fait. En fait, il faut se faire des. Il faut prendre tous les bleus. Voilà, tac. On a combien là? Voilà, faut se faire en fait tous les cubes bleus afin de débloquer donc le niveau. Est-ce que du coup je peux remonter par là? Oula, d'accord, lui c'est un méchant. Comment est-ce que je l'évite? Ok, d'accord. Je comprends. Lui, il a tout explosé. Bon, je suis là et celui-là. Ok, j'aurais pu assez. Comment est-ce que je fais pour remonter du coup? Attendez, je vais le mettre ici. D'accord, ok, je comprends. Ok, lui il me veut du mal. Ah putain non! Ah le bâtard! Ah le bâtard! Ok, d'accord, je commence à comprendre un peu le jeu, c'est très très sympa. C'est très très sympa, mais par contre il faut être assez rapide. Genre, j'aime pas du tout le bruit qu'il y a derrière moi. Ok, d'accord, bonjour. Non! Non! Qu'est-ce que t'as fait? Alors attendez, il faut que je remonte un peu quand même parce que là j'en vois. Hop. Hop. Ça fait beaucoup penser à du Minecraft ça d'ailleurs. Ah, dégage! Non, putain! Ah, fuck! Tout blanc. Attendez, je me souviens plus de ce qu'ils avaient dit. Attendez. Ils avaient dit quoi? Si je mets un cube bleu avec un blanc, ça fait une plateforme. Je vais tenter de faire ça. Non, ça marche pas. Je vais balancer le tout. Voilà, tu peux pas test. Tu vas m'en falloir encore pas mal. Ah non! Oh là là, je me prends ma gueule. Enfin. Donc par contre je tombe de plus en plus bas et là je vois encore des bleus qui sont d'ici de là. Ça commence à devenir un peu tendax, il va falloir que je remonte très bientôt. Ah comment je fais pour remonter? Ok, je remonte comme ça. Ok. Ok, d'accord, je comprends à peu près tout le jeu là. Mais t'es sérieux là? Comment? Attaque. Non, 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 non. Non. Enfoiré. Non. C'est beaucoup un puzzle game, ça d'ailleurs. Très, très sympa. La musique aussi est très sympa. Du coup, j'ai perdu des cubes puisque je suis tombé dans l'eau en fait. Enfin, dans le truc au milieu. Ah, tiens, bleu là. Non. Putain, il est en train de tout détruire. Faut pas que je perde. Enfin, il faut pas qu'il détruise tout. Voilà.
comme ça, ça m'en fait à nouveau deux. Et je me libère le passage. Tac, tac. Vas-y, je me fais une petite plateforme en dessous, au calme. Ok. Vas-y, envoie tout ça. Cette histoire de plateforme, faudrait quand même que je m'y intéresse, puisque je comprends, j'ai pas très bien compris le principe, mais je pense que c'est très sympa. Ça permet genre de peut-être réparer un truc, je sais pas. Ah, j'ai vu un bleu là. Non, c'est d'accord, c'est juste ça. Ah, j'ai failli tomber. En fait, là, j'essaye de remonter vraiment tout en haut, histoire d'avoir un aperçu complet de ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce qu'il me reste, du coup? Vas-y, prends ça. C'est très très sympa comme jeu, j'aime beaucoup. Non! Méchant. Il y en a encore un, fuck. Fuck. Ah, arrête pas de tomber de plus en plus bas. Non! Putain. J'ai eu une chance. Mais par contre, là en fait, le souci c'est que je vois plus de bleu. Et s'il y en a, c'est possible qu'il n'y en ait plus en plus, c'est pire. Ça veut dire qu'il m'a battu l'autre. Attends, je vais juste voir ce qu'il y a avec les... Je regarde un peu... Appli, Blue Cube... Avec les rouges. Je sais pas ce que ça fait les rouges. Ok, d'accord. Ok, je comprends, d'accord. Donc ça, en clair, d'accord, ok. Ok, je comprends les amis, en fait. Je peux recréer en fait des plateformes avec du bleu et donc me refaire une petite provision. Provision de bleu, voilà. Genre, attendez, là, hop là, voilà. Il n'a pas créé par contre. Je vais remonter un petit coup. Voilà, hop. Vas-y, non! Ok, maintenant une petite plateforme pour remonter. Hop, je prends un bleu ici. Non, enfoiré. Ah zut, il a détruit le blanc et je tombe. Je tombe. C'est l'air de rien, c'est quand même assez compliqué comme jeu. Hein. Lequel, nous deux. Parce que c'est quand même pas mal de stratégie, c'est-à-dire que vous devez continuellement en fait anticiper le fait qu'il va avoir forcément un gros casse-couille de rouge. Le fuck. Et là j'ai fait le con. J'ai fait le con et ça pète dans tous les sens, il me reste presque plus de plateforme. Ça sent la fin. Ça sent la fin là, il va falloir que je joue très bien. Alors, est-ce que j'ai du blanc qui me reste quelque part? Là-bas il y a du bleu, je vois un blanc là-bas. On va viser là, hop. C'est bon, j'ai atterri. Alors, un bleu là-dessus. Nickel, nickel. Alors, il faut qu'on remonte encore un peu. Là. Ah putain l'enfoiré.
Oh, aïe, je crois que j'ai sauté à la seconde près où tout a explosé en fait. Ok, tac, j'ai. Ok, je suis pas mal là. Non. Je suis. Ah putain, mais il a anticipé, c'est pas possible! Heureusement que j'ai des sauts qui sont pas soumis à la gravité. J'ai vu un blanc qui traînait par contre là. Hop là, hop là, hop là. Ok, d'accord, j'ai tout loupé. J'ai vu un bleu là d'ailleurs. Hop là. Oh. La musique est. Très sympa, très calme quand même. Là. Il m'en reste combien là demain? Ah, ils sont arrivés. J'ai eu peur. Ah, et là j'ai pas mal de plateformes. Wow. Du calme. Ok, là il faut surtout pas que je perde. Là il y a encore une plateforme. Non. J'ai eu du cul là. Juste en garder une en fait pour le blanc si jamais. Quoi si on utilise un plus. Putain, je suis un triso. J'aurais dû m'en douter en plus. Je me fais l'ascenseur Minecraft, hein, on le connaît tous. La méthode Minecraft. À ne pas faire s'il y a de la lave en dessous. Hop. Ok, est-ce que je vois encore du blanc, du bleu, quelque chose? Non. Bah, il y a du bleu. Il m'en manque presque plus en plus. Du blanc. Du blanc ou du bleu. Il m'en manque 5. J'en ai 3. Ne me dites pas que je vais perdre avec 3 manquants quoi. Ah et là il y en a un caché. Il m'en manque encore un. Allez le dernier il est où? Je suis sûr que ça va me tomber dessus. Par mesure de sécurité je vais déjà les envoyer. J'en garde juste un pour le blanc. Non, bouge. Ah, foiré. Ah bah tiens, merci. Du coup, c'est bon. On arrive. Si ! Non ! L'erreur ! Mon dieu. Honte sur moi. L'erreur que j'ai faite, quoi. L'erreur que j'ai faite, oh là là, l'erreur que j'ai faite. Oh là là, je m'en veux tellement. Putain. Je fouille. Ah mais là, bon maintenant je fais de la destruction complète là. Je cherche du bleu. Ou du blanc ou un truc comme du genre. Parce que là il me manque du coup encore un bleu.
Ah putain de bleu. Je vais encore tomber, je pense. Ah, je vois plus de bleu. Je ne vois plus de bleu, j'ai l'impression que ça va être la fin. Je vois plus du tout de bleu et c'est niqué dans tous les sens. Il a pas du tout pris mes trois derniers quoi. Enfin mes deux derniers. Putain. Mais je le verrai là s'il y en avait encore. Et il y en a encore un. Pardon. Il m'en faut encore un. Et ne surtout pas tomber dans la flotte lave ou je ne sais quoi. Oh non. Ça me plaît pas ça. Enfin. Oh là là. Ok d'accord, ça pue du cul ça. Faut que je trouve le bleu vite. Faut que je trouve le bleu et très vite. Mais ceci, c'est que comme dit, y en a plus du tout. Oh fuck. Il y en a plus du tout. Je vais essayer de remonter à nouveau un peu pour avoir à nouveau une vue d'ensemble. Ah zut. Il me faut un bleu. Je joue ma vie sur un bleu là. Bon, allez, on va miner un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a bien un bleu qui traîne dans le coin. Ah putain, mais je joue complètement ma vie là. Hein. Un bleu, un blanc ou un truc comme ça. S'il te plaît, quoi. Fais pas ta pute le jeu. J'en vois un là-bas. J'en vois un là-bas. On l'a vu. Ok. Surtout ne pas faire d'erreur. Ok. Putain. Ok, j'ai les deux. Maintenant. Allez, remonte. Non, sérieusement. Sérieusement, putain. Sérieusement. Sérieusement. Sérieusement, putain, je les avais tous et ils sont bons. Oh. Ok, j'ai pu skip le game. Putain, j'ai failli hurler. Ok, donc j'ai ça. Je vais pouvoir me barrer.
J'ai failli hurler, je vous garantis, hein, les cubes, mais jusqu'à la fin qui voulait pas. Mais sinon, c'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais on va se retrouver dans le prochain épisode pour trouver un moyen de s'échapper, puisque ça fait déjà 33 minutes. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis ciao ciao tout le monde. Arrête de me parler toi. Ciao.